Frères et sœurs en Christ, enfants bien-aimés de Dieu, bienvenue dans votre oasis spirituelle quotidienne, graine de sagesse. En ce matin béni, l'Esprit Saint m'a réveillé avec une urgence prophétique. Une onction particulière plane dans l'atmosphère spirituelle et je sens que cette prière sera différente des autres. Le Seigneur m'a montré des vagues de miracles qui s'apprêtent à déferler sur notre communauté. Avant d'entrer dans ce moment sacré, le Saint-Esprit me presse de vous dire ceci. La puissance de cette prière sera multipliée par votre acte de foi immédiat. Par la grâce divine, accomplissez ces trois actions prophétiques. Partagez rapidement cette vidéo dans 7 groupes de prière, le chiffre de la perfection divine. Appuyez sur le pouce bleu pour activer votre canal de bénédiction. Écrivez « Prêt pour mon miracle » dans les commentaires. Je vois des anges scribes qui notent les noms de ceux qui posent ces actes de foi. Une double portion est réservée pour les premiers à obéir à cette directive céleste. À présent, fermez vos yeux, ouvrez votre cœur. Nous entrons dans un moment qui va changer le cours de votre destinée. Frères et sœurs en Christ, installez-vous confortablement dans la présence du Seigneur. En cet instant béni, fermez doucement vos yeux et prenez une profonde respiration. Laissez la paix divine envahir votre espace. Vous sentez ce souffle divin? C'est l'Esprit Saint qui s'apprête à transformer votre semaine d'une manière extraordinaire. Allumez une bougie si vous en avez une, elle représentera la lumière de Christ dans votre journée. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il accorde la grâce et la gloire. Psaume 84, verset 11. Frères et sœurs, si vous ressentez déjà la présence de Dieu, tapez « Je ressens sa présence » dans les commentaires. Votre témoignage va encourager toute la communauté. Visualisez maintenant votre semaine. Pas une semaine ordinaire, mais une semaine orchestrée par le Maître des temps. Je sens que quelque chose de puissant se prépare dans les cieux pour vous. Père Céleste, en ce jour, nous activons ta protection divine sur chaque enfant de Dieu qui suit cette prière. Nous décrétons que ce bouclier spirituel est impénétrable aux attaques de l'ennemi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Si vous recevez ces boucliers spirituels, posez votre main sur votre cœur et dites « Amen » avec force. Quelque chose de surnaturel est en train de se produire. Seigneur, nous neutralisons toute énergie négative qui tenterait de perturber ces semaines bénies. Dans le nom puissant de Jésus, nous établissons une bulle de paix divine autour de chaque personne qui prie avec nous. Frères et sœurs en Christ, levez-vous si vous le pouvez, car l'heure est venue de proclamer ces vérités qui vont secouer les cieux. La langue a pouvoir de vie et de mort. Quiconque en aime l'usage en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Pendant que nous proclamons ces déclarations, appuyez sur le pouce bleu si vous ressentez la puissance de ces paroles dans votre esprit. Je sens que des chaînes sont en train de tomber. Proclamez avec moi. Je déclare que ces semaines sont celles de mes percées divines. Je suis la tête et non la queue. Là où il y avait des portes fermées, Dieu ouvre des portails de bénédiction. Enfant de Dieu, préparez-vous, car je sens une vague de miracles qui s'approche. Le Saint-Esprit me montre des signes extraordinaires qui vont se manifester dans vos vies. Maintenant, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Si vous êtes prêt à recevoir votre miracle, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre déclaration de foi active des portes dans le royaume spirituel. Et ce n'est que le début. Je vois des déblocages financiers, des guérisons spontanées, des réconciliations familiales. Mais attendez de voir ce que le Seigneur m'a montré pour la fin de cette prière. Frères et sœurs,
Entrons maintenant dans un moment de guerre spirituelle intense. Prenez votre position de combat. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4. Pendant que nous combattons, partagez cette prière avec 5 personnes qui ont besoin d'une victoire. Le Seigneur m'a montré que votre acte de foi va déclencher une réaction en chaîne de miracles. Nous démolissons toute forteresse, nous renversons tout obstacle. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cette semaine, Satan ne peut pas toucher à nos familles, nos finances, notre santé. Enfants de Dieu, fermez vos yeux pour ce moment spécial. L'esprit de prophétie est en train de descendre. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Pendant que vous gardez vos yeux fermés, levez votre main droite si vous êtes prêt à recevoir cette vision divine. Je sens des téléchargements célestes qui commencent. Voyez-vous ces portes qui s'ouvrent devant vous? Le Seigneur me montre des opportunités divines qui arrivent cette semaine. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus grand qui se prépare. Frères et sœurs en Christ, un déploiement massif d'anges est en train de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Si vous sentez la présence angélique, touchez votre écran et dites « Je reçois mes anges ». Une onction spéciale est en train de se libérer. Seigneur, nous activons le mandat de ces anges gardiens. Que chaque personne qui suit cette prière soit entourée d'une armée céleste. Je vois des anges de prospérité, des anges de protection, des anges de percée. Le Seigneur me pousse à vous donner un plan d'action spirituel pour cette semaine miraculeuse. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, verset 24. Prenez une feuille et un stylo, frères et sœurs. À chaque point que je vais citer, écrivez « Accompli au nom de Jésus ». Une grâce spéciale est attachée à ces actes de foi. Mais avant que je ne vous révèle ce plan divin, partagez cette vidéo dans 3 groupes de prière. Je sens que des miracles collectifs vont se manifester. Frères et sœurs en Christ, nous entrons maintenant dans le moment le plus puissant de notre prière. L'atmosphère spirituelle est électrique. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, verset 19. Posez vos deux mains sur votre tête. Le Seigneur me montre des couronnes de faveur qui descendent. Double bénédiction pour ceux qui écriront « Je scelle ma victoire » dans les commentaires. Nous scellons maintenant ces décrets divins dans le sang de l'agneau. Vos percées sont scellées. Vos guérisons sont scellées. Vos restaurations familiales sont scellées. Mais attendez, je sens quelque chose d'encore plus fort qui arrive. Enfants de Dieu, le Saint-Esprit m'inspire à vous donner des outils de guerre spirituelle pour toute la semaine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11. Prenez une capture d'écran de ces déclarations que je vais partager. Le Seigneur me révèle que chaque fois que vous les regarderez, une nouvelle porte s'ouvrira. Voici votre arsenal spirituel. Déclaration du matin. Je suis béni entrant et sortant. Proclamation de midi. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Décret du soir, des anges gardiens veillent sur mon sommeil. Mais j'ai gardé le plus puissant pour la fin. Frères et sœurs, le Seigneur vient de me donner une révélation spéciale pour ceux qui ont suivi cette prière jusqu'au bout. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9.
Si vous voulez recevoir ces révélations personnelles, mettez cette vidéo en favori et écrivez « Prêt pour ma surprise divine ». Ce que je vais partager dans notre prochaine rencontre va bouleverser vos vies. Je sens que le Seigneur prépare quelque chose d'extraordinaire dans les prochaines heures. Restez connectés, car ce que Dieu m'a montré pour vous est au-delà de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Partagez rapidement cette prière avant que l'onction ne se dissipe. Votre miracle attend peut-être dans le téléphone d'un ami. À demain, même heure, pour la suite de ces révélations divines. Une surprise céleste vous attend. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mais ce n'est que le début. N'oubliez pas, plus nous sommes nombreux à prier ensemble, plus la puissance se multiplie. Partagez cette vidéo maintenant et préparez-vous pour des témoignages extraordinaires.